passe pas. Quelqu'un qui a dépassé depuis très très longtemps les 20 000 ou 30 000 œuvres. C'est une production énorme en céramique, c'est une production énorme en dessin, c'est une production énorme en peinture. C'est une peinture gestuelle, après les Matisse, après les Picasso, c'est cette chaîne qui s'est mise en route. Voilà. La grande nouvelle aussi pour nous cette année, c'est qu'il a été sélectionné pour le Festival d'Avignon, donc ce sera lui après Barcelo cette année, moi comme commissaire, donc au Palais des Papes l'année prochaine. Voilà. Voilà, je vous le montre. Monsieur Zesny, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici pour la monographie, le livre que vous avez écrit, Frédéric Ballester a écrit sur vous. Et qui s'appelle L'Esprit du Sud. Je crois que ça fait longtemps que vous avez compris l'Esprit du Sud, puisque vous avez résidé très longtemps chez nous, notamment à Saint-Tropez, quand vous étiez jeune, m'a dit Frédéric. Et pour vous, le Sud, c'est quoi? Quelle couleur ça vous amène? Oui, pour moi, c'est important, les lumières. Première, les lumières, et après les autres. Ouais. Et on a un très bon directeur de la lumière avec un soleil permanent. Oui. Et l'histoire des arts, de la Méditerranée, des Grecs et les Romains. Et c'est une ligne, une histoire pour moi. Ouais. Et vous avez découvert ça comment? Vous avez trouvé ça comment? Découvert? Avec les parents. Les premières fois, j'ai habité avec les parents à Isola de Elba. D'accord. C'est une petite île. Et j'ai habité tout le Méditerranéen area. À Rome, à Israël, à Tunis, à Maroc, et Espagnol, et après, Saint-Tropez, ouais. C'est fini. Le coup de foudre. Oui, c'est... Le coup de foudre. Vous avez trouvé votre lieu, ouais. Et vous continuez à travailler? Oui, j'ai construit un grand atelier à Saint-Tropez, et j'habite à 12 ans ici. Alors, on voit à travers quelques pièces votre évolution et votre parcours aussi. Oui, ça c'est l'exposition, c'est une sélection des grands livres. D'accord. C'est une petite sélection des différents, oui, des temps. Frédéric Ballester nous a dit que vous étiez un acharné du travail et du pinceau. Vous travaillez le jour, la nuit ou... Oui, j'ai je travaille 18 heures. Un colon électronique. Un grand. C'est vrai? C'est un besoin? Oui. C'est nécessaire pour vous? Oui. Voilà. C'est votre vie? Oui. Très bien. On a fait un livre ensemble. On a fait une petite monographie quand on s'est rencontrés pour la Malmaison. D'accord. Et puis moi, je suis intervenu de toute façon sur différents livres, de différentes expositions qu'il a fait. Villa d'Omer, c'est un livre. Oui. Alors après, il a fait un. Deux il fois a... la Malmaison. Non, une fois. Une fois, mais il a eu quand même une exposition de sculpture dans le parc du Grand Hôtel.
uniquement de sculptures. Oui, c'est aussi un catalogue. Voilà, là, il y avait eu aussi un catalogue. Non, on est, disons que les grosses publications, on est à la troisième, quand même. Il a sorti un énorme livre sur Saint-Tropez. C'est toujours, avec Cessny, c'est toujours dans le volume, c'est toujours dans le... dans la quantité, parce que c'est quand même un artiste qui a une production importante. C'est là-dessus que je l'ai interrogé. C'est un bouffeur de peinture, c'est ça ? Il a besoin de ça ? Toute son énergie passe là-dedans. C'est un artiste gestuel qui ne... C'est comme pas un contemplatif. Si, quelque part, il est obligé de passer quand même par l'état de la contemplation. Vous savez, les artistes sont des mangeurs d'images aussi. Il faut qu'ils les absorbent pour les rigurosités. Donc, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même un visuel, c'est quand même quelqu'un qui a regardé, continue à regarder la nature, continue à regarder la nature des femmes aussi. La vie du bon côté, je dirais. C'est très rare aujourd'hui dans les sociétés contemporaine de rencontrer des artistes qui ont envie de vivre la vie telle que la nature nous l'offre, c'est-à-dire sans problème. C'est peut-être aussi un engagement, je dirais presque écologique, de pouvoir imaginer la vie des hommes d'une autre façon, sans aller chercher des contrariétés et de calquer les contrariétés pour offrir des œuvres qui ne sont pas gaies du tout. Notre ami Stéphane est plutôt quelqu'un qui a envie de donner du bonheur dans la couleur, partagé avec ses amis collectionneurs. D'où le nom de Fauve. Là, on retrouve un peu cette dynamique des fauves qui ont su éclairer la peinture. Et il a pris le relais. Enfin, plutôt moi, des fauves français, parce que les fauves allemands, je ne connais pas partout. Pour moi, c'est important. Je suis une peintre européenne. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais pas allemand. D'accord. Oui. C'est un peu... Les influences, ce n'est pas allemand pour moi. Matisse, Cimabue... Picasso, c'est... Je suis c'est plutôt, plus dans cette mouvance. Mais bon, Latine. Méditerranée. Avec cette joie permanente de redécouvrir la lumière. Parce que quand il dit qu'il n'est pas allemand, moi je dis il est quand même dans la façon dont il dessine, il y a une espèce de graphique quand même qui arrive de l'expressionnisme allemand quand même, mais en même temps c'est vrai qu'il est dans la rencontre des peuples, celle qui s'est faite dans les années 20, dans un moment où la société européenne a envie de cette relation universelle. Voilà. Et les nouveaux fauves, peut-être aussi en Allemagne, ont exprimé encore une fois ce désir de liberté par rapport à toutes ces souffrances que sa génération a vécues, comme la mienne. Hein. On est de la même génération, on a des parents qui ont fait la guerre, on a des parents qui ont souffert de la guerre, et il a vécu quand même l'Allemagne, cette Allemagne qui est repartie dans un souffle nouveau, mais c'est vrai que son art est beaucoup plus international et beaucoup plus... dans une relation de mondialisation, finalement, mais dans le bon sens. Hein. C'est cet éclat de couleur. Et la monographie reprend la totalité de son parcours. En partie. Les conceptions, c'est toutes les places des habits à travaux, pour moi. D'accord. C'est... Donc on retrouve... Oui, oui. Né à Munich, et après Cologne, après Italien, Paris, New York, Séville, et toutes les places. Ça, c'est les collègues. C'est un livre qui permet de voir son départ et son évolution, et puis cette volonté de se rapprocher de la France, parce qu'il vit quand même à Saint-Tropez. Il ne faut pas oublier qu'il est dans le pays de Signac,
Il est dans le pays où Matisse est venu, il est dans la chaleur méditerranéenne, il est méditerranéen, voilà, et il est dans la lignée de ces grands peintres du XXe siècle qui ont regardé à nouveau la nature, qui ont pris cette force expressive qu'il y a dans la lumière. Son œuvre est une œuvre de lumière. Oui, parfait. Messieurs, merci. Merci.